Salut tout le monde, c'est Solarius et je vous retrouve pour l'épisode 57 du Let's Play de Lego Star Wars, la saga complète. Donc toujours sur l'épisode... sur le deuxième jeu avec les films 4, 5, 6. D'ailleurs je suis dans le film 3 là. En jeu libre pour essayer de trouver tous les mini-kits et tous les collectibles et tous les easter eggs. Donc déjà vous avez vu que les niveaux sont quand même vachement mieux faits dans le deuxième jeu que dans le premier et ça c'est cool. Ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai acheté pas mal d'extras, donc dans le genre. Alors comment c'est devenu, donc hop. Côté obscur, force rapide, voilà, ça c'est utile. Enfin je dis c'est utile, mais si ça se trouve on a un niveau en vaisseau ici, j'ai même pas regardé. Non, c'est pas support de mon Cézlay, c'est bon. Et oh oui, c'est vrai, j'ai acheté presque tous les personnages la dernière fois. Il n'y a pas... Ouais. On va prendre le soldat rebelle parce que je vous avais dit que je voulais vous montrer son truc. Voilà, donc le soldat rebelle de Hoth, il agit comme un soldat rebelle normal, hein, comme le capitaine Antilles, comme le soldat rebelle du vaisseau du premier film. Sauf que il a un truc qui change. Évidemment, c'est dans votre poche. C'est ça, c'est son arme. Le gros turbo laser qui fait bien mal. Enfin, qui fait bien mal, non, parce qu'en fait, il fait autant de dégâts que... Bah, il fait autant de dégâts qu'un blaster normal, mais il est stylé, et ça, c'est... Qu'est-ce que... Ah, j'ai Dark Maul. Oui. Ah, et vous voyez que Boba Fett aussi est équipé de l'ultra turbo laser qui fait bien mal. Ce qui fait de Boba Fett et de... D'ailleurs, ah oui, lui aussi il a un jetpack. Bah tiens, ça va nous être utile le jetpack. En plus, c'est un panneau de chasseur de primes ici, donc... Ce qui fait de Boba Fett... Et du rebelle de Hoth, les deux meilleurs personnages de Lego Star Wars, indiscutablement. Voilà! Non! Je voulais pas faire ça, je voulais juste. Ah. Par contre, faut faire gaffe avec les détonateurs thermiques parce que, évidemment, je risque de shooter des gens et si j'en tue, bah non seulement c'est pas cool, mais en plus ça déclenche une guerre civile. Oula. Alors, ceci dit... je vais arrêter d'avancer un peu n'importe comment, je vais essayer d'avancer méthodiquement en... Pardon. Je te demande de tirer sur les poubelles, voilà. Oh, pardon. Bah.
Faudrait trouver un moyen de désactiver les casernes de clones. Bah voilà, là je pense qu'elles sont désactivées. Quand il y a des machins là-dedans, mais... Ah, un machin pour l'impérial, voilà. Coco. Ah, donc là, on entre dans... Ah bah, dans une piscine, en fait. Et ça qui est cool, je vous dis, c'est qu'on a souvent des bonnes surprises quand on... Par contre, là, je vois pas... Ah, si. Voilà. Attends, moi, je vais prendre le rebelle de Hoth. Et tu vas prendre Obi-Wan. Hop, hop. En fait, allumer les douches, ça a vidé la piscine et donc, ok. Et ça qu'on trouve, c'est plein de trucs sympathiques. Alors, c'est... Je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme des easter eggs, mais... Ah! Non! Tu ne donneras pas l'alerte! Tu ne donneras pas l'alerte! Pas l'alerte... Va te faire mettre. Hop, pardon! Bob a fait. Bon. Là, cet escalier ne mène à... Ah si, il mène à quelque chose. Ah, est-ce que les Jawas sont considérés... Oui, les Jawas sont considérés comme petits. Sauf que ça ne servait à rien à part trouver des trucs. Ah non. C'est ça que je voulais faire. Voilà, Dark Maul. Ah, c'est cool, ils ont pas respawn. Bon. Ah, donc là, vous voyez la force rapide qui... Qui double en fait notre efficacité avec la force. Et tiens, cette porte était ouverte. Il me semble qu'il fallait l'ouvrir avec un... Mais ça, bon, en fait, c'était un bug. Là, on a une porte pour ces 3 PO. Et on se sent vraiment puissant avec une arme comme ça, quoi. C'est la bille qui fait le moine. Shoot. Je vais pas pouvoir les avoir de là. Ouais, bon, je les aurais pas de là. Tant pis. Faisons un... Alors oui, là, c'est un genre de tir au pigeon.
Ah, c'est là qu'on va avoir la brique rouge, non? Peut-être pas, seulement le mini kit. Donc là, vous devez tuer 4, 10. 10 kangourous, je suis désolé, c'est des kangourous pour moi. Vous devez tuer 10 kangourous pour avoir débloqué. Voilà. Hop. Alors quand vous êtes là, n'allez surtout pas derrière en fait. Je ne me rends compte. Ah si, on peut... Oui, non, voilà, vous pouvez aller derrière en fait, j'ai rien dit. Oubliez ce que j'ai dit. Attendez, là il va y avoir un combat. Oh, pardon. Wow. Ceci dit, je vais peut-être me battre avec Boba Fett parce que lui, il a plus de classe. Enfin, bon, on peut mieux tirer en esquivant et tout. Par contre, son arme fait quand même un bruit. Alors c'est notamment dans ce genre de situation que la force rapide c'est vachement cool quoi, parce que vous faites tout deux fois plus vite, c'est... Il y a aussi la construction rapide qui est dans le même état d'esprit. Et donc là, on a... On n'en a pas fini avec cette zone, hein. On va revenir en arrière, casser la grille qu'on a vue tout à l'heure pour accéder à une autre zone de jeu. Et ah oui, c'est le moment où... Donc en utilisant la force sur un véhicule, on peut en faire sortir son occupant. Notamment là ce que j'ai fait. Ah, il y a un mini-kit ici. Alors ce que vous faites quand vous êtes dans un véhicule comme ça, vous pouvez simplement sortir du véhicule. On va appuyer sur espace. Appuyer sur espace, vous n'êtes pas obligé d'empiler les caisses en bas. Je pense que c'était fait exprès qu'on devait empiler les caisses en bas, mais bon. Nous on est au-dessus de tout ça. Pardon. Ah, pardon. C'est un peu agaçant la sélection de cibles comme ça, enfin de cibles neutres. T'es en train de me dire que cette zone ne servait à rien. Bon. Alors voilà, regardez, ça c'est exactement le genre de truc dont je vous parlais, c'est le... Le car wash. Enfin le car wash, le...
Ouais, le truc pour laver les voitures, quoi. On peut redresser la tour de Pise grâce à ça. Oups. Mauvais calcul. La physique m'a tué. Ah. Alors là, y a rien. Oui. D'accord, donc là il y a un mini kit. Donc là je retiens, il y a un truc de lavage de voiture. Et je suis quasiment sûr qu'on doit y emmener quelque chose. Ah mais attendez. Mais oui. Je sais. Quand je dis qu'on doit y amener quelque chose, en fait, j'en suis sûr. Attendez. Vous vous souvenez de l'aéroglisseur là qu'on avait en venant? Et d'ailleurs, il y a toujours une brique rouge ici. Hein. Faudra que. Ah, mais attendez, c'est une... c'est caché ça. D'accord, il y a une salle cachée ici. C'est très vaste, hein, c'est facile de rater des choses, mais... Ah, c'est ça qui fait le charme des Lego Star Wars. Donc, je retiens, je commence par amener ma voiture au... au lavage. Donc, tout compte fait, je pense que je vais plutôt la garer ici. Je vais plutôt la garer ici, je vais essayer de trouver... Il y a forcément un levier en fait qui ouvre ce cette porte. Mais eh oh yo YOLO eh. C'est quoi ce vol? Ah, je savais que les Java ils avaient la capacité de... Enfin la mauvaise habitude je dirais de... d'étourdir vos droïdes, mais là il vient carrément de me voler ma voiture. Alors non, en fait, c'est pas un levier, apparemment, ce serait plus. Ok. Mais sérieusement, les Java, c'est quoi ces racailles, sérieux, et... Ok, alors en fait, je crois pas que ça puisse. Attendez. Voilà. Donne pas l'alerte, toi. Yeah.
D'accord, donc à part de l'argent, il n'y avait rien d'intéressant ici. Donc, je vais essayer de pénétrer dans le... Voilà, je vais ramener la voiture. Oul, la voiture glissante. Ici. Et voilà, là, on peut actionner le levier. Ah, j'aurais dû attendre. Oui, je suis aspiré. Mais donc, j'arrive pas à comprendre. C'est... Il y a un mini-kit à la clé ou... C'est juste pour le lol. Bah, j'ai l'impression que c'est juste pour le lol en fait. C'est marrant, je dis pas, mais ça me perturbe. Bon, c'est quoi, je vais aller jusqu'à la fin du niveau, je pense. Parce que là, il y a des trucs que j'ai pas encore cassés ni rien, mais bon, je vais partir du principe que ça contient pas d'autres trucs intéressants. Alors oui. Je vais partir du principe qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce que je n'ai pas ramassé. Oh mince, non. Wow. Ah oui, là ça repousse les droïdes, mais bon. Alors là on rentre ici. Là on va pousser les leviers. D'accord, bon, ça servait juste à désactiver l'écran de protection. Ça s'appelle comment ça? Un Rawomp, d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'à part un mini-kit, il n'y avait rien d'intéressant ici. J'en suis à 6 sur 10. Ouais, je pense que c'est correct en fait. Alors, par contre, j'en suis qu'à la moitié du vrai Jedi. Ah! Important, donc on trouve des espèces de navets dans les poubelles. C'est pas que dans les poubelles d'ailleurs.
Donc il faut tous les libérer. Libérer, je me comprends. Oui. Alors justement, un panneau chasseur de primes, ça tombe bien. Alors je sais tellement pas où je suis. On est mais elle est géante cette zone. Alors je sais pas pourquoi il y a de l'argent qui tombe du ciel là. Ah oui, donc là on peut retourner dans la partie du niveau suivante. Cependant, je crois qu'on n'a pas fini de le faire le tour ici. Ah, voilà, c'est ce que je disais, il y avait bien effectivement un navet ici. Alors, c'est 3 PO. Ah mince, je suis bête, c'est le, c'est mon PNJ allié ça. Bon, je coupe où on en est, boum. Comme ça, il va revenir avec tous ses points de vie. Oh mince, ça c'est un gentil. Donc je disais avant de commencer le combat, oui, on a 7 mini-kits sur 10. Je pense qu'on...
Ah, voilà, le troisième navet. Et d'accord, le truc a spawné derrière nous. Ah, et donc là, il y a des excréments qu'on peut transformer en fleurs. Pourquoi et comment, je n'ai pas la moindre idée, mais ça nous donne de l'argent. Donc c'est cool. Potentiellement. Voilà. Voilà. Et ça, oui, en fait, ça nous ramène juste dans la zone bonus d'avant. Lego Star Wars. 8h30. Alors ça, vous voyez, c'est un, bah, c'est encore un easter egg, ça, pour le coup. Pas vraiment un easter egg, vu que c'est pas caché, mais bon. Ah oui. Lego. Ah oh, oh c'est cool, ils ont remixé des images du premier jeu. Ah oh, je m'en souvenais tellement plus ça. Ou alors à l'époque je l'avais pas vu mais... Oh c'est tellement génial ce petit clin d'œil qu'ils ont fait. Ah, c'est tellement génial. Alors ceci dit, il me semble qu'il faut casser ça, si je me souviens bien. Ouais, voilà. Parce que en fait, je crois qu'il y a derrière un... Non, c'est juste pour l'argent. Ouais, c'est juste pour l'argent. Il me semblait qu'il y avait un mini-kit derrière. Ah, bah voilà, il y a vraiment un mini-kit derrière. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Bon, là-dessus, on n'a plus qu'à faire un bon combat en règle. Alors ceci dit, je sais pas trop où peut se cacher le dernier mini-kit. Thank you.
Ah, attends, il faut que je touche le gars là-bas. Voilà. Ah oui, en fait, le laser de Boba Fett fait vraiment 2 cœurs de dégâts. Ah bah, c'est cool, je savais pas. Alors, ceci dit, j'ai bien l'impression que je ne trouve pas par ici le mini-kit voulu. Ce qui semble indiquer que j'en ai oublié un. Et zut, parce que ce niveau est déjà suffisamment long, tout le refaire c'est... Ah bah, de toute façon je suis bloqué ici, donc ça résout le problème. Super sabre laser. Donc bah comme d'habitude je reviendrai ici avec le détecteur de mini-kits pour trouver ce que je n'ai pas trouvé. D'ici là, bah, de toute façon, vous aurez la suite de la vidéo tout de suite après. Hein, c'est juste moi qui m'organise différemment. Donc d'ici là, écoutez, portez-vous bien. Et à la prochaine, salut! Top. Donc rebonjour tout le monde. Je pense que j'ai trouvé enfin les... What? Les derniers mini-kits qui me manquent. Enfin, le dernier, même si a priori il y a plusieurs flèches, donc je sais pas trop. Nine. Ah bah. Bon. Apparemment, il se trouve juste là. Il peut me porter suffisamment loin pour... What? On a fait pousser des carottes, alors peut-être que c'est ça, peut-être que c'est les carottes qu'il faut faire pousser. Donc dans ce cas, vu que les carottes, on les a un peu n'importe... Ah, on les a dans les poubelles, je crois. Je l'ai obtenu en cassant une poubelle. Donc écoutez, on va tenter de casser toutes les poubelles de Tatooine. C'est tellement ridicule dit comme ça, mais... Voir si ça se trouve le mini-kit des carottes, j'ai déjà ramassé, je sais pas. Je sais absolument pas. Ah oui, là c'est pour avoir la brique rouge, sauf qu'on l'a déjà eu. Là-dedans peut-être. Voilà, d'accord. Donc il fallait juste faire apparaître les 3 carottes qui étaient cachées dans des poubelles. Bon, c'était pas évident hein, pour ma défense. Bon ben voilà, c'était comme ça c'est fait. Là-dessus je vous dis, bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, à la prochaine, salut!